Nous vous présentons ici un livre qui s'appelle « Que nous apprennent les calimithes aujourd'hui ». Il ne s'agit pas pour l'analyste de prétendre avoir un savoir sur cette catégorie difficile. C'est plutôt que les analystes ont rencontré des cas qu'ils arrivaient difficilement à classer, disons, à classer par exemple entre névrose d'un côté ou psychose de l'autre. Et parfois même, il y avait des cas où la question de la perversion était possible à penser. Tout cela nous a amené d'ailleurs, à partir de cette notion de cas limite, à travailler sur une certaine porosité de la clinique, hein, avec des possibilités de déplacement d'une structure à une autre. Enfin, il me paraît important de dire que la notion de cas limite nous permet également de travailler sur la clinique contemporaine, avec toutes ses particularités, et en particulier avec cette particularité que le refoulement y est moins à l'œuvre que sans doute le déni et le clivage. Oui, ces cas limites semblent venir pouvoir éclairer cette notion nouvelle forgée par Lacan pour tenter de donner quelques points de repère concernant Joyce dans son séminaire sur le symptôme, où Lacan évoque une forclusion de fait. Alors qu'est-ce que c'est que cette forclusion de fait? Il ne s'en explique pas beaucoup, si ce n'est qu'il s'agirait d'une inscription du nom du père qui serait inopérante pour l'utilisation du sujet, à savoir que le sujet, malgré l'inscription de ce nom du père, ne pourrait pas s'en autoriser dans l'exercice de sa subjectivité et notamment concernant la pratique de son corps. Ce qui rejoint d'ailleurs la thèse de Mustapha Safouan à laquelle il tenait à la fin de sa vie, à savoir que pour lui, les cas cliniques, les cas limites, dont l'analyse d'ailleurs, seraient des cas où le père n'aurait pas été investi par le signifiant du désir de la mère.